bienvenue à cette troisième édition de Metal Academy! Très heureux de recommencer ce fantastique Battle of the Band, l'original à Montréal, le premier qui a commencé en 2009, avec comme premier gagnant Bukaki et comme deuxième gagnant Unbeing. Il y a des très gros bands. Il y a des bands qui sont présentement, on va dire, des leaders de leur style dans la scène. Unbeing, Valfreya, Bukaki, Brought by Pain. Il y a beaucoup de bands qui ont participé à ce concours-là. Halo, d'ailleurs, qui joue au Trois-Rivières Metal Fest, qui a joué avec MTL l'année passée. Beaucoup de gros bands qui ont participé à ce concours-là. C'est un concours, j'espère, qui va aider les bands qui vont jouer. Je sais que ça a aidé les autres bands qui ont participé. Cette année, le premier prix, un spot sur le Trois-Rivières Metal Fest, le plus vieux festival métal, tant qu'à moi, en tout cas au Canada, qui dure depuis maintenant 13 ans. Alors, un spot là-dessus. Et le deuxième prix, un show d'extensive. Il y a aussi le premier band, band gagnant, aussi la chance de gagner. Un photoshoot avec Edgar Delacroix et des modifications de Dynamic Design. Ça vaut la peine, ils vont vous mettre des moustaches, ça va l'air mâle pis tout, ça va être cœur, hein? Je voudrais remercier en commençant nos commanditaires, Koenig Sonorisation qui nous offre dans la lumière, du son. Je pensais qu'elle allait mettre un effet, si tu soques. Du son! Son! Yeah! Du son! Et aussi le backline, ça veut dire les câbles, le drum, etc. Il ne vous offre pas le talent, malheureusement. J'espère que vous l'avez amené avec vous. Parce que je veux tout de suite annoncer aux bands qui vont jouer, et les gens dans la foule, de ne pas nous lancer des rushs. Metal Academy a comme principal but d'être extrêmement honnête avec les bands. On n'est pas là pour dire « Ah, c'est hot! Je te donne 3 sur 10, mais Chris, que t'es bon, man! » Non, on va vous dire que vous êtes laid. On va vous dire que vous jouez tout croche. Tout ça d'une façon honnête, des gens qui sont dans la scène depuis longtemps. Moi, qui est dans la scène métal depuis plus de 10 ans. Si vous ne savez pas, je suis qui, googlez mon nom, Chris, il y a plein d'affaires. Aussi l'ex de Honte Choc, qui lui était là, ben lui, il a connu le métal depuis l'âge de bronze. Là. Il a vu tout, pas mal, depuis les 8000 dernières années. Fait que le métal, il connaît ça. À chaque soir, on va avoir 2 juges de band, on va dire, international. C'est ce soir, on a Justine et Terry the Blackguard. Je pense que c'est pas mal notre band le plus international présentement. On va avoir d'autres juges intéressants. Rob DeWitch de Necronomicon. Vous allez avoir aussi Alex Leblanc d'anciennement Neuraxis. Plusieurs bons juges qui vont être là ce soir. Excusez ma gueule de marde, j'ai passé 3 semaines à l'hôpital pour une infection dégueulasse. Fait que ceux qui veulent licher mon mollet plus tard, pogner des trucs pas travailler, c'est super hot. Fait que... Puis en passant, vous avez le droit d'un recours collectif contre le Café K.O. Ils ont dit qu'il y avait de l'air climatisé et je ne la sens pas. OK? Ce soir, soirée viking! Arr! Je vois présentement que la seule fourrure qu'il y a, c'est votre poil pubien puis votre face. Puis ce gars-là, mais je pense que c'est une maladie que t'as d'où. Fait que le premier band qui joue ce soir, Frozen Lake, j'espère qu'ils vont nous en mettre plein la gueule. Vous avez aussi la chance, avec votre petit coupon de ceux qui ont payé leur billet et qui n'ont pas liché le gars à l'entrée, de voter. Et 20% de... Ben, le vote du public compte pour 20% de la note finale qui va amener en demi-finale et en finale pour gagner de merveilleux prix. Fait que je vous souhaite une très belle soirée et à plus tard. Alors, Frozen Lake! Rules of life.
God, 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 God,